voit la ferveur populaire qu'emmène cette édition de la Route du Rhum, le public aussi nombreux à Saint-Malo, la destination Guadeloupe au sein de la ville de Saint-Malo, c'est vraiment que du bonheur. Sur 6 skippers guadeloupéens, on a quand même 5 qui sont soutenus par la collectivité régionale, donc on est fiers en tout cas d'avoir fait cet investissement. Le fait que nous soyons devenus le partenaire titre cette année de la course, on a une visibilité qui est incomparable. Je crois que c'est la première fois que la Guadeloupe est aussi bien représentée sur Saint-Malo. Aujourd'hui, c'est la 10e édition. Nous accentuons notre travail à partir d'aujourd'hui, en montrant la réalité de Saint-Malo aujourd'hui, en attendant celle de la Guadeloupe lorsque nous retournerons là-bas en début de semaine prochaine. J'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe et j'ai notamment commencé et appris la voile là-bas. Il y a une vraie fierté parce que l'on voit tous les magnifiques côtés de la Guadeloupe. C'est une culture, c'est un esprit, c'est de la musique, c'est de la bonne humeur, c'est de la gentillesse. Et on voit voilà, que les Malouins ont fait un super accueil à la Guadeloupe. La Guadeloupe en fera autant pour les Malouins et les autres. Donc ouais, il y a une vraie fierté à être au milieu de tout ça. Ouais.